Vous venez de tomber en eau froide. Que devez-vous faire? Attendez que le choc initial passe. Gardez la tête hors de l'eau pour pouvoir respirer, ce qui est nettement plus facile si vous portez un gilet de sauvetage. L'hyperventilation s'estompera après une minute environ. Vous aurez ensuite une dizaine de minutes de motricité avant de ne plus pouvoir bouger vos jambes et vos bras. Tentez de vous sauver vous-même. Si vous ne pouvez remonter dans votre bateau et que nager vers la rive est impossible, hissez-vous hors de l'eau le plus possible afin de retarder l'hypothermie. Si vous ne pouvez y arriver et si vous portez un gilet de sauvetage, prenez la position de l'œuf en serrant les bras et les jambes contre le corps afin de conserver le plus possible votre chaleur. Le froid vous empêchera de bouger graduellement, mais votre gilet de sauvetage vous gardera à flot et vous permettra de respirer. Sachez qu'on peut survivre à l'eau froide pendant plusieurs heures dans l'attente des secours. Pour en savoir plus sur l'eau froide, visitez csbc.ca.